femme le lundi retourne au turpin. C'est ainsi, quand je lui demande pourquoi faire, elle me dit pour gagner un salaire. Je pourrais bien sûr insister, mais je veux pas paraître indiscret. Je sais ce qu'il faut savoir. En gros, elle travaille dans un bureau. Je sais ce qu'il faut savoir. En gros, elle travaille dans un bureau. Ma femme pourrait être agent d'accueil ou sous-préfète, car quand je lui demande ce qu'elle fait, elle dit juste bah, je vais gagner du blé. Elle m'explique qu'elle m'a 100 000 fois, pas 99 000, pas 99 500, pas. Non, au moins, mais au moins 100 000 fois expliqué ce qu'elle fait. Et moi, tout ce que j'ai retenu en gros, c'est qu'elle travaille dans un bureau. Tout ce que j'ai retenu en gros, c'est qu'elle travaille dans un bureau. Alors bien sûr, par élimination, ça marche, ça exclut bon nombre d'emplois. Comme saxophoniste ou lapin des bois. Je la refais parce que c'est la meilleure imitation du spectacle. Donc, pour ceux qui sont venus voir un imitateur, lapin des bois. Mais il y a plein d'autres jobs en espèces qu'on peut faire dans un open space. Je sais que ceux qui ont un boulot normal comme président ont tous du mal à dire ce qu'ils font à part. Eh bien, en gros, chères concitoyennes, chers concitoyens, chers cons, si je devais expliquer ma fonction dans sa réalité quotidienne, hein, tout simplement, je dirais que je travaille dans un bureau. Je travaille dans un bureau. Once again. Lorsque je demande aux amis qui bossent sur une chaise, c'est permis, ils lâchent, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ah, c'est, enfin, comment... Bah, on est là, quoi, voilà, on est là. T'es rentré du télétravail, super, t'es bronzé. Mais, on coordonne, voilà. Mais c'est pas que ça, parce que ça, c'est hyper réducteur. On coordonne, oui, en quelque sorte, oui, ben, si t'es mieux, oui, c'est... On coordonne. Mais tu vois, on est plus... On supervise, on passe notre vie devant un ordi, mais pas pour bosser, hein. Moi non, pardon. Et quand il se taise, je comprends que, en gros, il travaille dans un bureau. Et quand il se taise, je comprends qu'en gros, il travaille dans un bureau. Je fais un effort, je me renseigne, mais j'ai toujours peur de prendre des beignes. Alors que je voudrais juste savoir ce qu'on fait de l'autre côté du miroir. Moi qui ai toujours rêvé de pas gagner ma vie entravée, j'aimerais savoir ce qu'on fait, en gros, quand on travaille dans un bureau. J'aimerais savoir ce qu'on fait, en gros, quand on travaille dans un bureau. Allez, ça suffit, ça paraît snob, ça ne l'est pas. Comme un enfant devant son papa, j'admire les gros balèzes qui ont leur cul moulé sur leur chaise. Car je sais, les curriculums, les lettres de motif et les connes qu'il faut convaincre pour en gros aller taffer dans un bureau. Et ça fait... Ce soir, je filme, je fais la roue, puisque je chante devant vous. Mais si demain plus de concerts, je ferai les petites annonces, c'est clair. Alors, ça c'est pas mal, cherche jeune homme, vingtaine d'années, oui, c'est bon. 15 ans d'expérience, doctorat
en physique nucléaire. J'ai un doctorat de lettres, sur un malentendu, ça passe. CAP de technicien de surface. Envoyé, prétention, entre parenthèses, 20 000 euros max. Pas mal, 20 000 euros. Par an ? Ah ouais. De toute façon, je n'ai pas non plus comme si j'avais le choix. Je vais présenter mon parcours comme bac, mon sens et mon goût du contact. Et mon dévouement pour, en gros, aller bosser dans un bureau. Et mon dévouement pour, en gros, aller bosser dans un bureau. Ma femme, le lundi, sur les coups de 6h30, s'il vous plaît, me demandera ce que je vais faire. Je lui dirai, ben, gagner un salaire. Si elle insiste, l'inconsciente, je lui dirai, j'espère que t'es contente. Maintenant, je suis un homme comme il faut. Je vais me faire chier dans un bureau. Maintenant, je suis un homme comme il faut. Je vais me faire chier dans un bureau. Je vais me faire chier.